Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 14 juillet. Donc là, je donne un bain à mes orchidées qui commençaient à faire un petit peu la tête. Hier, j'étais chez Boulanger, où j'ai été pas mal productive, où j'ai fait des petits porte-clés comme ça. Donc là, j'avais pas la pince, donc je vais resserrer les anneaux. Et j'ai fait aussi des sun catchers. Et ça donne super bien. Donc ça peut être que ça sera aussi sur ma boutique en ligne. Et les suncatchers, ils sont déjà. Alors je vous invite à aller faire un petit tour sur ma boutique. Tous les liens sont en barre d'infos. Je reprends mon bullet journal. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos sur les bullet journal. Là vraiment c'est du minimalisme que je fais. Mais pourquoi pas faire des pages de bullet un peu plus, un peu plus fournies. En pas juste tous les jours, mais vous voyez, en mettant, j'ai pas to-do list ou des choses comme ça en plus rajouter, et pourquoi pas à chaque thème que je fabrique des autocollants que je mettrai sur ma boutique en ligne aussi. Faut que je m'entraîne à faire des autocollants parce que moi je suis pas la pro des autocollants, non, mais je vais quand même faire avec vous. Alors, je vais essayer de baisser un peu pour que vous puissiez voir mon bullet journal. Déjà, Boulanger, c'est fait. Le rendez-vous orthodontiste, c'est fait aussi. J'ai tout fait avec Boulanger. Autant vous dire que ça a été la course. Donc, j'avais fait il y a très 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 longtemps des petites découpes comme ça sur le vinyle. J'adore faire ça. Et je vais voir si ça rentre. Oui, ça rentre. Pour les mettre au mois de juillet, et j'adore cette calligraphie aussi. Bon, bien sûr, c'est en bleu alors que tout le reste est en marron, mais bon, hein, c'est pas bien grave. Alors, comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne aussi. Si par cas vous voulez même une découpe sur un thème particulier, hop, je m'enlève plus la nappe. Je vous montre comme ça en même temps comment c'est facile de transférer le vinyle. Alors, bien sûr, il faudrait peut-être que je prenne un plan un peu plus dur. Mais bon, tant pis. J'ai nettoyé la nappe aussi parce qu'elle était pleine de miettes. Parce que les enfants ne nettoient pas leur salle de table. Enfin bref, ils nettoient rien du tout. Hein. C'est la cata, si je passe pas derrière. Et ça ne les dérange bien sûr pas du tout. Vous voyez, c'est très très simple à enlever. Donc ça va aller à la poubelle. Parce qu'en fait, on transfère sur du papier autocollant. Et ensuite, on retransfère. C'est juste une manipulation sur votre papier, votre support. Comme ceci. Donc là, j'ai pas appuyé trop fort, même si ce transfer tape a été utilisé maintes et maintes fois. Il n'arrache pas hein, du coup le papier parce qu'il colle pratique. Il colle encore, mais il colle plus suffisamment pour arracher le papier. Donc ne jetez pas votre bande de transfert si vous utilisez ce type de technique, parce que moins il sera collant, mieux il sera pour votre papier. Votre papier sera reconnaissant. Et voilà. On va y mettre le mois de juillet. Mmh.
Et là, pareil, vous transférez toutes vos petites lettres. Donc, ça colle. Hein. Tant vous dire que ça colle quand même. Mais on va transférer le mois de juillet sur notre bande de transfert. Hop, ça aussi est poubelle. On va mettre le mois de juillet par ici. Hop, et après il me reste les mouettes. Alors bien sûr, mon papier de transfert est très grand pour ça, mais c'est pas grave. Ça fonctionne quand même. Alors, des fois il faut l'aider à coller. Ou il faut des fois changer juste le sens de... pour que ça prenne bien. Une mouette récalcitrante. On va en mettre une par ici. Vous voyez, c'est très très simple à faire. Comme ça, j'aurai fait ma première page. Nous ne sommes que le 14 juillet. Hein. Je ne suis pas du tout en retard sur ce que j'avais à faire. Et la procrastination. On va les mettre par ici, un peu penché. Ça se transfère super bien. Je mets mon papier de transfert. Hop, sur. C'est ma petite planche où je garde tout ce qui était feuille, un essai de Takiglou, c'était lors d'un live. Donc je garde. Comme ça, ça me fait un support et tout ça, ça va aller à la poubelle. Donc voilà ce que ça donne. Enfin, je l'ai terminé. Donc c'est tout simple, hein. Honnêtement. Après, je peux peut-être rajouter quelques nuages histoire de faire un peu plus vrai. Avec pourquoi pas un pochoir. Donc, on va faire aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, bonne fête nationale à tous les Français. J'avais samedi déjà à faire que je n'ai pas fait. Alors, samedi, je n'ai pas fait grand chose. Hop, donc moi je fais tout à la main. Un jour, je viendrai. J'espère que vous allez voir parce que. J'ai le soleil, comme quoi on dit qu'il pleut en Normandie, en ce moment il fait beau. Donc voilà, alors on va mettre animation, boulanger. Je mets mes horaires comme ça au moins, comme je suis une tête de linotte, je ne m'en rappelle pas forcément. Donc du coup... Ça c'est fait, on est dimanche 14. Vous voyez, moi c'est vraiment très très simple mon bullet journal. Je le fais même comme une chanson en fait, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, on a dit, on va faire un vlog. Ce sera le dernier cette semaine, la semaine prochaine je ne ferai pas de vlog, je pense pas, je ne sais pas du tout, parce qu'on va aller à Rouen, donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. On va faire un vlog, il faut que je finisse les porte-clés que j'ai fait hier en animation. Je vais vous montrer aussi les suncatchers et tout ça.
Il faut que je prépare mes légumes parce que j'ai fait un too good to go. Et il faut que je détaille les légumes pour les mettre au congélateur. Et ma fille veut qu'avec le concombre, je fasse une salade de concombre tomate. Il n'y a qu'une seule tomate. Voilà. Du coup, ça sera pas mal. On va commencer par. Je ne mets pas la première page du bullet parce que vraiment, honte à moi quand même. Hein. J'ai un peu déconné. J'ai un peu déconné quand même. Ce que je voulais vous montrer, c'était les suncatchers. En fait, c'est comme ça. Alors, vous n'allez pas voir parce qu'il n'y a pas. Ah oui, là, regarde. Alors, attendez. Oh, attendez, j'ai le soleil. On va dire qu'ils sont sur une vitre. Et voilà ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez le petit rayon. Alors, plus je vais me. Alors, faut que je mette bien. Voilà, vous voyez sur la nappe ce que ça fait. Et je regarde comme si vous voyez ou pas. Oui, vous voyez un peu? Oui, on voit. Donc ça, quand vous mettez sur votre vitre, c'est un film électrostatique, donc une petite partie, une partie qu'il faut enlever pour coller sur la vitre. Donc j'en ai fait façon libellule, il y en a en rose et en marron. J'ai fait aussi façon papillon comme ça. C'est des cercles qui font 10 sur 10, donc vous le mettez sur. Oui, là, en mettant les deux, ça fait trop beau. Quoi, je préfère. Faut que je sois comme ça. Voilà. Et là, vous voyez un peu ce que ça donne sur la nappe. Donc, imaginez sur une vitre de petite fille ou comme ça peut être super sympa. Je me suis amusée à ça hier. Samedi soir, ben, je sais pas quoi faire. J'ai pris ma X-Tool et hop, je me suis fait deux sous-tasses en gravure. Et vraiment. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir vous, mais ça grave même dans la profondeur. Alors, j'avais peur, hein, je m'en sers pas beaucoup de ma X-Tool, sauf pour des projets qui sont déjà pré-créés par X-Tool et avec du matériel X-Tool. Mais là, comme j'en ai plus, je fais avec ce que j'ai sous la main et j'avais peur de mettre une puissance très forte. Donc, j'en ai un qui est très, très. Qui n'est pas gravé super bien. Et en fait, je me suis rendu compte que, non, vu l'épaisseur. Je peux graver du relief, quoi. Enfin, c'est le centre des créas, il est en relief, c'est impressionnant. Après, bon, c'est sous tasse là, il y a beaucoup de veines du bois et la gravure, des fois, elle n'aime pas, ça fait des traits, ça marque plus les veines. Mais je les trouve super sympas, donc cela aussi, vous allez vous le retrouver dans ma boutique en ligne. Je fais un petit peu de pub aussi, elles sont tant qu'à y être, hein. Donc là, maintenant, on va faire. Je sors ma pince. J'ai encore plein de porte-clés. Alors, ceux-là, ils sont résinés. Là, je m'étais amusée à les résiner. Pas avec la résine UV, parce que je trouve que la résine UV, elle fait des vagues. Ceux-là, je ne les ai pas résinés, par contre. Peut-être qu'il faudra. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien cette couleur aussi marron qui passe partout. Alors, il faut que je retrouve la jointure qui est ici. Ce que j'ai fait avec les ciseaux, mais bon, c'est pas l'idéal les ciseaux. Je n'avais pas ma pince, forcément, parce que la pince était ici et que je n'avais pas ça. Bon, pour la petite histoire, ma gourde s'était renversée dans mon sac, donc j'avais tout qui était trempé aussi dans mon sac. C'était vachement bien. Donc voilà, ça va faire ceci sans avec une petite étoile en plus. Celui-ci, je me suis rendu compte que j'avais monté l'étoile à l'envers, mais comme j'avais déjà tout serré et que j'avais pas ma pince, je me suis dit je vais pas me détruire les doigts pour juste changer. Hop, on va mettre comme ça l'étoile de place. Ouais, honnêtement, c'est quand même plus simple avec une pince. Mine de rien. Voilà. Je vais tous les resserrer. Je les ai tous faits de la même couleur. Où est le. Hop, ici. Et the last one, votre nom n'est pas là, il faut juste que ça arrive ici.
Comme ça, j'ai des petits porte-clés de prêt aussi pour ma boutique. Ou pourquoi pas faire une box. Il faut que je vois si je fais pas une box. Avec des sous-tasses, un porte-clés. Pourquoi pas un suncatcher avec. Dites-moi si vous voulez que je fasse une box. Ou pour mettre un marque-page ou des choses comme ça, vous voyez. Et voilà d'autres choses de faites. Hop. Bon, je vais commencer par des courgettes. Allez. Non, courgettes, non. Aubergine. N'importe quoi. Un concombre, ça je vais faire aussi pour manger à midi. Mais je vais faire, est-ce que je l'ai, ouais, je le coupe comme ça. Ça va. J'aurais pu faire un tien de légumes, oui, de légumes, mais ils vont pas aimer, bon, c'est pas la peine. Donc ce que je fais, c'est que là, c'est un tout goût, ça m'a coûté 3,99€. J'ai deux aubergines, une tomate avec un concombre, une mangue, un chou-fleur entier, j'ai 4 poivrons, 3 verts, 1 rouge, j'ai qu'est-ce que j'ai? J'ai des champignons et des carottes, voilà, et des carottes. Donc tout ça pour même pas 4€. Autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. Donc ça, ça va partir au congélateur, comme ça, ça sera pour un jour où j'aurai besoin de faire quelque chose avec des légumes, quitte à faire de la soupe. Hein. Après, moi, je fais de la soupe avec tout. Pas de soucis. Je vous ai parlé de la mangue, je sais pas. Je vais la couper là parce que... Oh, allez. J'ai toujours du mal. Dites-moi en commentaire si vous avez toujours du mal pour... choisir la bonne mangue qui soit mûre, prête à manger direct quand on rentre de faire les courses. Moi, jamais. Elle est toujours verte, c'est pas possible. Donc là, il n'y a pas de souci, celle-ci, elle est super mûre. Mais ça va être un régal. Honnêtement, la dernière fois que j'en ai eu une, oh, je les mange entières, du premier coup. En une fois. Une mangue, je vais dire une fois. J'ai recoupé en deux. C'est beaucoup plus grand. Comme ça, pour cuire, ça sera mieux. Ah ouais, ça avec des champignons. Ça doit être... Oh. Ah, dommage qu'on parte là. Parce que là, j'aurais fait un truc à ma sauce, bien sûr, mais. Un truc trop bon. Ouais, je fais ça, mais j'en ai deux à couper. Bon, ça va me libérer la place pour la deuxième. Parce que j'en ai deux. Parce qu'après, les aubergines, de toute manière, ça fond, ça se réduit. Donc, il n'y en a jamais de trop. Hop. Ça directement. Et on va couper.
arrive. Donc ça aussi, ce sera dans ma boutique. Je vais essayer d'en faire des en clair, en transparent, pas blanc comme ça. Mais c'est bon. Alors, j'ai fait tout un système dans ma chambre, c'est pas super super. Mais voilà. Je vais juste rattraper là où le dos n'a pas coupé. Mais honnêtement, j'y arrive moi. Je sais que dans des groupes Facebook, elle n'y arrive pas. Mais honnêtement, j'ai pas eu de problème pour faire mes autocollants. Pas de ratage. Et encore, bon, à part que là, j'ai dit de couper à mi-chair et que ça me coupe tout. Et, mais parce que j'ai pris la fonction stickers qu'il y a dans la version bêta de chez Cricut. Mais honnêtement, là je fais juste un petit peu de rafistolage au niveau des bords parce que j'aime bien que les bords soient nets. Et ça c'est juste le dos, ça, non. L'autocollant est vraiment nickel. Et là je vais tester. Alors c'est le papier autocollant, je pense que celui-là il est transparent. On voit pas bien. Mais je vais le tester pour voir ce que ça donne. Là, elle est en train de scanner les coins puisqu'après elle saura exactement où sont les fleurs. Je vous laisse admirer d'ailleurs mes jolis petits cuties dans ma maker. Et là elle va tester la lame. J'utilise la pointe premium pour tout ce qui est découpe. Parce qu'elle est quand même plus résistante et a une durée beaucoup plus longue de vie que la pointe fine basique. Voir la vitesse quand même où ça découpe des stickers, ça c'est quand même assez rapide. Et voilà. Alors je sais pas si vous allez voir, mais ce papier autocollant en fait il est givré, il est translucide comme ça. Donc ça peut faire un effet assez sympa aussi. Et bien voilà, j'ai fait mes tests de stickers et je suis contente. Honnêtement, c'est les premiers que je faisais. J'en ai fait pas mal au niveau des fleurs. Donc il y a plusieurs différentes fleurs et différentes tailles de fleurs. Donc ça, je les mettrai dans ma boutique en ligne parce qu'il y en a des toutes petites aussi. Si vous souhaitez des planches, je vais voir pour les réglages pour que ça ne me découpe pas tout. Parce que moi j'avais mis mi-chair, c'est-à-dire normalement qui décolle. Mais je vais voir pour mettre plutôt en mode washi pour que ça découpe juste l'autocollant et pas la planche entière. Mais si vous les préférez comme ça, c'est pas mal. Et j'adore la couleur. Donc il y en avait en fleurs, j'ai surtout testé les fleurs en papier blanc, du coup stickers blanc. J'ai fait des lapins aussi dans toutes les tailles, donc elle est tout petit et elle est très grand, donc je pense que je vais faire une collection là-dessus.
Et j'ai testé pour les fleurs aussi, je vous ai montré les translucides qui sont plus compliqués. Alors, au niveau du détour, là, du contour, c'est pas très net, mais en fait, c'est le papier de l'arrière qui s'est mal découpé. Le plastique, lui, s'est découpé comme dans du beurre. Mais voilà, j'ai essayé de rattraper au maximum les petits, les petites déchirures du papier du dos. Mais voilà, c'est exactement les mêmes que les autres, mais avec en même temps des tout petits aussi. Voilà. Et j'adore ces fleurs. Alors, je pense que je vais faire, je vais reprendre en illustration et je vais faire des petites choses aussi, une autre collection avec les fleurs. Et avec ces fleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des sous-tasses. Voilà ce que ça donne en sublimation. J'adore aussi. Alors les couleurs, elles sont super belles. Moi j'adore. Alors c'est pas tout à fait le même bleu, mais voilà. Et j'ai celle-ci qui est encore un petit peu chaude. Mais voilà. Donc ça aussi, ah, c'est chaud. Ça rejoindra ma boutique quand j'aurai fait des photos. Donc pas avant la semaine prochaine, mais... voilà, si vous voulez après des sous-tasses personnalisées en fonction d'un motif spécial, ben, enfin, je peux les faire, c'est de la céramique. Et ça après, c'est infusé dans la céramique, ça ne partira plus. Donc voilà un peu tous mes petits tests ben, de la journée. Pour un 14 juillet, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais rescanner le petit lapin pour le faire en illustration sur Procreate. Et les différentes fleurs aussi. Je vais faire ça. Voilà, j'en ai un paquet, donc il va falloir que je les dénombre. Et que je... Oui, et là, j'ai bien sûr, comme toujours... Je pense que je peux les différencier, c'est bon. Parce qu'il y en a, il y a marqué papier photo et pas l'autre. Parce que forcément, j'ai mélangé mes fleurs qui sont translucides avec mes fleurs qui sont faites avec le papier normal. Comme d'hab, quoi. Voilà. J'ai ma pile. Je vais les mettre en sandwich entre les lapins. Donc, mine de rien, ça fait quand même un petit bout. Donc, si vous voulez commander, je les mettrai, je pense, à 3,50€ le stickers. Voilà. Les petits peuvent être à 3€ et les grands à 3,50€. Voilà. Donc si ça vous intéresse, bah, allez sur ma boutique. Voilà. Je pense que je vais en finir là avec ce vlog parce qu'il est, il est que 15h. Mais j'ai épluché tous mes légumes. Ils n'ont pas mangé la mangue. C'est pas grave, ça sera pour moi. J'ai fait mes tests, finalement ça marche super bien les stickers. Il y en a qui arrivent pas, mais j'y arrive, je comprends pas. Enfin, c'est pas moi, c'est ma machine qui le fait du premier coup, le calibrage du premier coup. Enfin, tout fonctionne à merveille. Et là, les. Ah non, mais ça c'est. Honnêtement, j'adore. Ça fait vraiment beau. Enfin. Je pense que je vais faire un kit avec ça, un petit peu de macramé, enfin je sais pas. Dites-moi en commentaire avec quoi vous aimeriez bien que je l'accompagne. Je peux l'accompagner avec la tasse aussi assortie. C'est une idée comme une autre. Dites-moi si vous voulez faire un petit cadeau. Celle-ci j'aime bien parce qu'il y a des couleurs, ça fait un petit peu, et il y a du vert aussi, donc les couleurs sont plus jolies je trouve sur celle-ci. Et ça aussi, hein, c'est une affaire de goût. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu du 14 juillet. Bonne fête nationale encore. J'espère que comme ça, vous apprenez un peu à me connaître en dehors de mes tutos cartes ou autres que je peux faire. Voilà, je fais plein d'autres choses à côté, même si je ne filme pas forcément. Et hier, j'ai regardé, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos aussi. Eliox, je ne sais plus son prénom, et elle a été prendre des cours. Ça m'a fait rire parce que moi je suis allée chez Leroy Merlin qui est le plus près, et elle c'est la Taloche, ça s'appelle comme ça. Il y en a deux,
voire trois même, un à Paris, un à Lyon au moins, où c'est des stages d'une semaine, voire deux semaines, pour apprendre plein de choses sur la plomberie, la menuiserie, la pose de placo, de carrelage et tout ça. Il y a même un stage de 15 jours qui est certifiant. Donc après, si je veux me recycler, si je veux faire rénovation, je peux ouvrir ma boîte de rénovation parce que c'est certifiant en fait. Comme si je passais le CAP peinture ou carrelage ou plaquiste. Donc après, ça coûte, j'ai regardé, 3780 euros 15 jours. Là, ça serait sur Paris. Mais ça m'intéresserait vachement. Ouais. Sandrine et ses grandes idées toujours. Bon, bref. Bon, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.